Et bonjour madame, j'espère que tu dors bien. Moi je vais très bien ce matin, même s'il pleut énormément, logiquement tu dois l'entendre. J'espère que tu m'entends, tu m'entends quand même. Bah, ça va être l'occasion de voir si, parce que ce soir ça va être pire que ça, logiquement. Donc est-ce que je vais pouvoir faire le soin? Parce que bon, tu sais bien que j'ai seulement mon petit portable. j'ai pas le matériel pour. Donc on verra bien. Hein, si tu m'entends bien là et que tu me dis bah non, la pluie ne gêne pas pour un soin. Ouais, ça risque d'être chaud, moi je trouve. Enfin, qui sait. On va aller voir pour ce matin, belle âme. Alors, l'oracle des murmures, pour pas changer. Ok. Le tarot divinatoire pour le court-métrage. Et les esprits de la forêt pour le trois choix. Bien évidemment, le message surprise pour un signe surpris. Je vais aller chercher tout ça, je reviens tout de suite. L'oracle des murmures, comme toujours. Le tarot divinatoire pour l'histoire, le court-métrage. Esprit de la forêt pour le trois choix. Et puis le cheminement de l'âme pour le message surprise du signe surpris. Ça y est. Oh là là. Ben, j'espère que tu te portes bien, toi, que tu as la pêche. Allez, c'est parti. 2-2, il était. Il était 2-2. Allez. L'énergie, s'il vous plaît, ma vie. Pour ce matin, en sachant que nous sommes jour de nouvelle lune en poisson. Quel est le message de ce matin? Quelle est l'énergie de ce matin? La magie, belle âme. Et tu sais, j'étais en train de me dire, oh, peut-être que je devrais te montrer et je l'ai pas fait. Quand j'ai fermé ma boîte, je fais, c'est quand même beau ce qu'elle a fait, ce qu'elle a mis à l'intérieur, même sur le couvercle, tu vois, elle est magnifique. Mais tu vois, je me suis dit, elle est quand même merveilleuse, hein. Ah bah c'est celle qu'on a eue. C'est un truc de dingue, j'adore. C'est vraiment la magie du jour. La magie. D'accord. Tu es guidé. Quelque chose de magique. D'accord. Dans ta vie, là, ce qui se passe, tu sens des énergies qui t'appellent, des énergies qui sont magiques, des énergies qui t'emportent, qui t'envolent, des énergies qui te font planer, là. Et tu es guidé, belle âme, d'accord? On te dit, va voir à l'intérieur, tu es guidé. Tes guides te disent que tout se passe à l'intérieur de toi. La magie, il faut aller, tu l'as déjà, tu la ressens, oui, tu vois, vibratoirement, autour de toi, tu la ressens. Mais tes guides te disent, tu es amené à, tu ressens la magie, une énergie de magie, d'accord? Une énergie d'amour, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi. Tu ressens une énergie d'amour, de magie, d'accord? Et tes guides te disent, et maintenant, il faut aller à l'intérieur, d'accord? C'est vraiment aller chercher les réponses à l'intérieur, aller voir ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? La carte 34, si ça peut t'aider, si ça te parle. Alors. Oh! Ouh là 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 là. Moi je la trouve belle. On va la laisser là. Tu as vu la rose que ma soeur et ma belle-sœur m'ont offert? Parce qu'elles m'aiment très fort. Elles m'ont dit bonne Saint-Valentin. Joyeux amour. Allez. Bah voilà, tu vois, je te dis ça et c'est l'amour qui est sorti. Énergie d'amour. Ça parlera à qui ça devra.
Alors, cette carte te parle de synchronicité, d'intuition, de don et de clairvoyance. Ça y est, soleil pète. Alors, formule sacrée. On te dit de te répéter, j'invoque ici ma magie. J'invoque ici ma magie. J'invoque ici ma magie. Tu scintilles pour qui tu sais. Tu scintilles pour qui tu sais te voir. Et grâce à toi, je développe mon pouvoir. Pour qui sais te voir? J'ai dit tu, non? Pour qui tu sais te voir? J'ai dit ça. Pour qui? Je ne sais pas comment j'ai dit. C'était chelou. Tu scintilles pour qui sais te voir. Et grâce à toi, je développe mon pouvoir. En quête de vérité, ce besoin de tout expliquer, de tout rationaliser, peut parfois m'éloigner de ta subtilité. Je dois apprendre à me concentrer. Je vois les fils du destin et comprends que tout est lié. Entre mes mains, sommeil, les clés de ma destinée. Cette carte vous parle de votre magie, celle qui vous accompagne depuis votre premier pas. Elle est partout et tout autour de vous. Elle vous invite à la vivre pleinement ou du moins à prendre le temps de la ressentir. Elle vous accompagne et vous protège sur le chemin de votre mission de vie. Elle est le lien entre le haut et le bas, entre le monde visible et celui du subtil. On te dit un brin de magie n'est pas pure folie. Soyez à l'écoute de votre magie, elle reste votre meilleur guide. Une force invisible vous appartient, elle est là, entre vos mains. J'adore l'énergie du jour, dis donc. Énergie du jour, énergie d'amour, énergie de magie. Ouh là là. Allez, on y va avec le tarot divinatoire. Belle âme. Belle âme, oui, parce que tu es une belle âme. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu penses que tu aurais dû faire. Ou pas faire. Tu es une belle âme. Oui, ma chérie, toi aussi, tu es une belle âme. Mon petit cœur. Tes poils, ils m'énervent, ils volent partout, mais tu restes une belle âme. Allez, c'est parti. Attends. Quel est le court-métrage pour aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? Alors, cavalier de pentacle. Avec les amoureux, dis donc. On te dit que le progrès est lent mais constant. Alors, peut-être que le progrès est lent mais constant. Mais peut-être que le progrès va être lent mais constant. D'accord? Et il y a un choix à faire ici en amour. Il y a un choix à faire. Alors, il y a. Alors, peut-être que si le choix a déjà été fait ici, tu arrives à l'achèvement. Tu arrives à l'achèvement initial, hein, d'un travail, d'accord, qui te permet justement de sauter, en fait, dans le vide, tu vois, sans avoir peur. Avec ton petit chien, ton petit baluchon, là, tu t'en vas. On te dit que à partir du moment... Alors, pour faire un choix... Ouh là là, c'est perturbant, mes guides, doucement. Ou alors,
Bien, une chose à la fois, s'il vous plaît. Oui, ça veut dire doucement. Pour faire un choix, tu dois achever quelque chose. Il y a quelque chose à... Tu vois? Et quand tu auras mis fin, quand tu seras arrivé à la fin de quelque chose, d'une action peut-être qu'on a vue hier avec les énergies de la nouvelle lune, l'action d'un amour, l'action pour un amour, c'était en plus. Mais tu vois, je te parle d'amour, moi. Quand tu auras achevé quelque chose, une action, quelque chose, tu vas voir que le désir de changer, en fait, il va être plus fort que la peur qu'engendre peut-être une situation. D'accord? Le désir de te lancer, d'accord? Il y a des peurs, mais le désir de changer va être plus fort, d'accord? Que la peur. S'il vous plaît, ma vie. Bah oui, je te dis, tu as un choix à faire, d'accord? Et avec le 7 de Pentacle, on te dit la nécessité de décider. Il est nécessaire ici, important, de décider. En fait, c'est soit tu restes là où tu as, tu vois, là où tu as tous tes deniers, ta stabilité, ton peut-être, voilà, hein, tes habitudes, ton lieu de vie, peut-être, on m'envoie, ok? Bref. Ou alors tu commences, tu fais le pas vers ce qui t'apporte, qui commence à t'apporter quelque chose en fait, qui commence à t'apporter quelque chose, d'accord? C'est vraiment là, tu as tout, mais est-ce que tu es heureux? D'accord? Si tu te retrouves au milieu, si tu te retrouves à faire un choix, c'est que il y a un problème en fait, d'accord? Ah ben, tension, anxiété. Parce que tu as du mal à lâcher prise, tu as du mal à lâcher tous ces deniers que tu as déjà. Que tu as déjà entre tes mains, d'accord? Parce que de l'autre côté, ça commence, mais il n'y a qu'un seul denier. Ça te fait peur, peut-être, d'accord? Tu as du mal à lâcher prise. Beaucoup de tension, d'anxiété. Réussite sur un amour ici. Hein. Réussite. Réussite par rapport à ta quête spirituelle également. Ça peut être un lien très spirituel également, d'accord? Réussite en allant vers... ce qui t'appelle spirituellement, peut-être. Ça veut dire un peu la même chose, non? Ce que j'ai dit avant, je ne sais même plus. Régénération, quelque chose qui te redonne de l'énergie, de la puissance. Régénération totale. D'accord. Ce n'est pas une souffrance totale, c'est une régénération totale. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, quelque chose qui va être lent par rapport au passé, on m'envoie. D'accord? Quelque chose qui va être lent, qui appartient au passé et qui va être très lent. Mais voilà, progrès lent, mais constant. Pour justement, c'est comme si tu avais des choses à régler par rapport au passé. Hein, pour pouvoir faire un choix au niveau amoureux, d'accord, dans le domaine sentimental, ou alors c'est vraiment par rapport à ta vie, hein, tu hésites entre deux professions, de ce que tu veux, d'accord, et il est nécessaire, il est nécessaire pour toi de prendre une décision de toute manière, d'accord. Ok. Alors, on me parle d'une situation aussi dans laquelle il te faut décider pourquoi. Parce que d'un côté, tu es gagnant, gagnante, et de l'autre, tu es plutôt perdant, perdante. Au niveau soit financier, hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans une situation amoureuse, d'accord? Une personne qui t'utilise pour tes biens, pour tes sous-sous, d'accord? Et une autre personne qui ne t'utilise pas, tout simplement, d'accord? D'où l'énergie, c'était quoi? Un lien spirituel, voilà. Ou ça peut être un professionnel, d'accord?
tu gagnes plus d'un côté et de l'autre côté, tu es plutôt perdant. Bon, on a le valet de bâton ici. Un messager apportant des idées créatives. Alors, c'est comme si qu'ici, l'univers allait t'apporter les bonnes personnes, d'accord? Allait mettre sur ton chemin les bonnes personnes peut-être, les bonnes situations pour te sécuriser financièrement, d'accord? Et retrouver une stabilité ici pour justement achever un travail, mettre vraiment arriver, terminer quelque chose pour réussir à faire un choix. Ça passe par le financier ici. S'il vous plaît, ma guide. Flambée de créativité. Tu crées ta relation dans ta tête, peut-être, ou tu crées déjà. T'es motivé là pour un petit commencement, pour justement prendre ce petit denier qui est de l'autre côté là. Ça peut être ça, d'accord? Quelque chose qui commence, hein. Tu vas être, je te dis, tu vas rencontrer les bonnes personnes, tu vas avoir les bonnes informations, d'accord? Des bonnes idées, on va... Voilà, il y a des idées qui vont venir, d'accord? Tu vas avoir une flambée d'idées qui vont t'amener à commencer quelque chose, à débuter quelque chose, mais tout en étant dans une sécurité, en te sentant en sécurité, en fait, financièrement. Et en retrouvant une stabilité. Accepter les limites de la victoire, mais aussi de la défaite. Ouais, il y a une victoire qui fait que tu dois... Il y a quelque chose de beau, mais il faut que tu acceptes une défaite également. D'accord ? Peut-être que tu veux gagner des deux côtés et on te dit non, c'est pas possible. D'accord? Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, dis donc. Alors, la justice. Aujourd'hui, il est nécessaire pour toi de décider, de prendre une décision, de te décider concernant ton équilibre. D'accord? Et ici, on te dit que peut-être de trouver, on t'amène à trouver un équilibre grâce à la logique, d'accord? Ou alors, c'est vraiment rien à voir avec la logique, mais aujourd'hui, ce qui fait sens pour toi, ce qui a du sens pour toi, quand est-ce que je disais ça? Je sais plus. Cet équilibre qui va faire qu'au niveau des tensions artérielles, j'allais dire, tension du cœur, et ben tout lâche en fait. Plus de tension, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui fait sens pour toi, d'accord? Pourquoi? Parce que le temps est venu pour toi de récolter ce que tu as semé. Elle m'énerve cette mouche, il y a peut-être un peu d'ego, d'accord? Ou sers-toi justement de ton ego. Pourquoi on me ramène à trouver son équilibre grâce à la logique? Et peut-être que dans ta situation, tu es amené à ne pas totalement effacer ton ego. Hein. Tu dois peut-être garder une petite part d'ego pour réussir à te décider, en fait. Parce que l'ego, il est quand même important, d'accord? Faut pas être, faut pas que ce soit surdimensionné, faut que ce soit en équilibre avec tout le reste. Allez. C'est tout. Elle tombe pas. Combat et frustration. Il y a des choses qui vont te perturber quand même par rapport à des idées qui peuvent venir.
Ouais, ok. Tu te. D'accord. Il n'y a rien à voir avec les idées qui te viennent. Les idées qui te viennent, ok, c'est. Tu réussis, d'accord? Tu utilises ça pour justement passer peut-être à l'action, aller trouver cet équilibre que tu désires et qui te pousse justement à te décider, d'accord? Te décider, prendre une direction, faire un choix ou l'autre et avancer lentement, mais voilà, sûrement, d'accord? Combat, frustration, pourquoi? Tu te bats. Il y a de la frustration, il y a des regrets, du chagrin ici, d'accord? De laisser trois coupes qui se sont déjà renversées en fait, d'accord? Un verre déjà brisé. Tu regrettes certaines choses par rapport à ça. J'entends, on culpabilise ici. Il ne faut pas culpabiliser, d'accord? Il ne faut pas. Elle était où, elle? Je comprends pas. Je sais même pas si elle était dessous ou si elle... Je sais plus. Elle est tombée ou pas? Je vais la remettre hein, dedans. Concurrence acharnée. C'est comme si que tu crois que tu combats pas avec des personnes, mais en fait, tu crois que tu combats avec des personnes. Tu crois qu'il y a des personnes en face, mais tu es tout seul. Tu es en train de te fatiguer. Face à des bâtons. En fait, c'est tes peurs, ta culpabilité, on en voit. C'est ta culpabilité qui fait que tu es constamment en mode. Il y a de la frustration, en fait. Il y a un combat qui est lié à ta culpabilité. D'accord? Bah, écoute. Combat et tension. Là, tu vas avoir une flambée de créativité pour pouvoir faire un choix en amour et pour vraiment te décider, vraiment être en accord avec toi, tu vois, parce que là, tu sais pas, lui, il va là-bas et lui, tu lui dis d'aller là-bas. Tu sais pas où aller, en fait. Et on te dit, bah, le noir, tu vois, le noir, le yin, le yang, il faut trouver l'équilibre. L'équilibre à l'intérieur de ton être. L'équilibre grâce aux énergies de la magie. D'accord? On te parle de régénération grâce à ton côté spirituel, à ta vibration d'amour spirituel, ta vibration spirituelle, ta vibration de magie. D'accord? Patience, mais prudence. Trouver un équilibre grâce à la logique. Ça demande de la patience et de la prudence ici pour aller vers ton soleil. D'accord? Vers la joie, la clarté de vision. Patience, d'accord? Sois patient, patiente, d'accord? On te dit peut-être de la prudence un peu. Regarde, la roue de fortune. Il y a le soleil, il y a de la joie. La roue tourne, belle âme, d'accord? Revirement de situation. Et tu es guidé, hein? On te guide vers ce soleil ici, d'accord? C'était quoi encore derrière? Je ne sais plus. Introspection. C'était introspection. Que désires-tu? Quelle roue désires-tu voir tourner? Comment veux-tu? La roue, c'est toi qui l'as fait tourner en fait. D'accord? Si cette roue, elle s'est arrêtée, c'est que toi, tu t'es arrêté, c'est que toi, tu es bloqué. Si tu veux que cette roue, elle continue à tourner, vas-y, fais un choix, passe à l'action. D'accord? Décide-toi. Ok. Ok, belle âme. Allez, on y va pour le trois choix. Avec les esprits de la forêt, belle âme. Lucy Cavendish. Oh, je sentais que c'était à l'envers. Ma chérie, t'es allongée dans l'eau, là. Je te signale. Enfin, c'est pas dans l'eau. Mais il y a quand même des petites flaques, tu pues après. Dans la maison, tu sens pas bon? Tu t'en fous. Allez. On y va. Premier, deuxième, troisième choix. Tu choisis, belle âme. Un, deux ou trois. Première, belle âme. Deuxième, belle âme.
deuxième et troisième, belle âme. Merci mes guides. On va quand même regarder ici. T'as vu le magicien, la magie, hein, la magie ici et le magicien. C'est pas merveilleux? Le sage, le conseiller, le roi des runes. C'est trop beau. Le magicien avec l'ancienne. La sagesse, l'expérience, l'enseignement. D'accord? Tu es sage aujourd'hui parce que bah, tu as de l'expérience. Hein. D'accord? Et le conseiller, bah, il enseigne peut-être. J'adore. Allez, belle âme, toi qui as fait le premier choix, est-ce qu'on a cette boîte pour te mettre en haut? Je crois. Premier choix, Duira. Duira. Guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. Attends. Non. Essayez de faire comme ça. J'espère que je vais réussir. Sinon, ça va être chaud. Normalement, ça va tenir. Guérisseuse, attentionnée. Si je regarde pas la carte. La 2, numéro 2. Guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. Il est temps de vous concentrer exclusivement sur la manière de prendre soin de vous et de favoriser votre guérison émotionnelle et en particulier physiquement. Émotionnellement et en particulier physiquement. Cela signifie qu'il vous faudra mettre de côté toutes les excuses que, jusque-là, vous avez trouvées pour ne pas vous préoccuper de votre bien-être. Votre guérison personnelle devra devenir dans votre vie la priorité absolue. Mettez-vous en quête d'un guérisseur holistique, spirituel ou physique et concevez un programme consacré à votre bien-être auquel vous conformez par la suite. Ne laissez rien en interrompre le cours. Rien ne pourra vous faire perdre ce temps qu'il vous faudra maintenant vous consacrer. Votre âme vous le demande et il est impératif que vous vous dédiez totalement à votre guérison. Ce faisant, vous découvrirez que les autres guérissent aussi, que votre cheminement vers la guérison inspire ceux dans votre entourage à prendre totalement conscience de ce qui leur est nécessaire et de surcroît que cela leur permet de se responsabiliser au cours de leur propre cheminement vers la guérison. Il vous faudra privilégier les aliments qui guérissent afin de nourrir également votre demeure ultime, votre corps. Des exercices thérapeutiques seront à envisager. En prêtant une attention toute particulière au mouvement. Des lieux propices à la guérison seront pour vous un refuge. Guérir autrui vous nourrira. Des pensées, de la musique et des énergies guérisseuses vous soutiendront chaque jour sur cette voie. Soyez déterminés, voire impitoyables, en vous éloignant de tous ceux et de tous ceux qui ne contribueront pas à vous soutenir pour que vous accomplissiez ce qui doit être fait. Il vous faudra vous consacrer pleinement à votre guérison, ce qui doit avoir lieu dès à présent. Ok, belle âme. Oh, c'est beau, hein? Pardon, je me replace bien. Bah, du coup, voilà. Yes. Belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera.
Deuxième belle âme, deuxième choix, Astrid, la numéro 10, amour enflammé, sensualité, fertilité. La 10, carte numéro 10. Alors, belle âme, quand nous aimons, nous pouvons quelque temps sonder directement l'âme d'un être humain. Ce sentiment d'être amoureux nous rappelle qui nous pouvons être vraiment lorsque nous nous rapprochons de notre amour propre. Ça y est, bah toi, oui, voilà. On y gratte, il chatouille, il guilique. T'as envie de bisouter. Nous nous sentons complets, adorés et nous nous offrons généreusement à cette expérience. L'énergie nous traverse comme une flèche. Nous désirons ardemment que l'être aimé nous touche. Nous perdons relativement la tête, du moins momentanément. Lorsque cette carte se présente, les feux de l'amour se sont allumés. Oh mon Dieu! Les feux de l'amour... Non, je pense à une série. Les feux de l'amour se... Même pas, c'est un feuilleton, c'est... Voilà. C'est la même chose, je sais pas. Bref. Lorsque cette carte se présente, les feux de l'amour se sont allumés en vous et il vous est demandé de permettre à votre amour propre de s'enflammer à son tour. Vous vous sentez sensuel, prêt à faire l'amour, à repousser les limites des sensations physiques et vous souhaitez pour l'instant que la réalité vous permette d'être vous-même afin de pouvoir explorer pleinement cette envie et ce désir irrésistible. Vous éprouvez intimement un sentiment d'épanouissement, de satisfaction. Et vous vivrez quelque temps entre les mondes pendant que cette puissante expérience vous bouleverse au plus profond de votre âme. Et durant tout ce temps, cet être féerique sonde votre cœur en souhaitant que vous vous souveniez que non seulement vous aimez, mais que vous valez la peine d'être aimé. De son regard calme et vert, Astrid observe le feu qui vous anime et n'aura de cesse de vous rappeler que de vous aimer et d'aimer quelqu'un de tout votre cœur s'apparente à un baptême, une bénédiction, un rituel et une épreuve par le feu. La passion a envahi votre univers. Laissez ce brasier vous éteindre, vous purifier, vous étreindre, pardon, pas vous éteindre. Laissez ce brasier vous étreindre, vous purifier et n'hésitez pas à vous jeter à corps perdu dans les flammes de l'amour. Grégory Lemarchal, et je me suis réveillée avec écrit l'histoire, moi, ce matin, figure-toi. Et à corps perdu, là. C'est exactement le titre d'une de ses chansons. À corps perdu, je crois. Oui. Allez. Troisième belle âme. Magnifique message, hein, deuxième belle âme. Troisième belle âme, la 37. La Mabon. Éclat, espoir, avenir. Éclat, espoir, avenir. J'avais dit laquelle ? La 37. J'ai déjà oublié. Tu te rends compte ? Mémoire de poisson, je te jure. Ça y est. J'étais arrivée à la fin du parcours du tour de mon bocal. Allô ? On y va. Éclat, espoir, avenir. La Mabon est l'enfant du moment le plus sombre. Né lorsque l'espoir lumineux vous attire vers un avenir positif, issu de ce qui vous donnait le sentiment d'être le lieu le plus dénué d'espoir où vous ne vous étiez jamais trouvé. Cette carte indique qu'à présent, vous pensez en accord avec la magie de l'existence. D'accord ? Voilà, la magie. Désolée. Et si je fais comme ça? Voilà. Un petit poil là. Un petit poil là.
trouve des solutions. Alors, j'en étais où? Alors, cette carte indique qu'à présent, vous pensez en accord avec la magie de l'existence. Ce que vous pensez, qui vous êtes, se manifeste autour de vous à tout instant. Avec ce nouvel état d'esprit nimbé de magie, vous commencez maintenant à transformer votre vie en une autre où abonde l'espoir et le plaisir, et à soutenir vos compagnons grâce à votre énergie vibrante positive. Quand nous nous autorisons à briller, nous devenons qui nous étions censés être depuis toujours. Et l'exemple que nous incarnons encourage les autres à devenir qui ils sont vraiment. Vous représentez pour autrui un exemple à suivre. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. C'est merveilleux. Lors de votre voyage, il vous reste encore de nombreuses expériences à vivre, mais à présent, cette énergie, votre inspiration divine vous accompagne. Faites un vœu en regardant les étoiles. Vous pourriez même avoir une patrie parmi celles-ci. Cette magnifique carte, symbole d'un brillant optimisme, est remplie de la joie que tout le monde éprouve à vivre en accord avec la magie. Cet acte divin, qui ne demande aucun effort, déborde de joie. L'amabon est l'enfant né du solstice d'hiver. De ce fait, cette carte indique une renaissance de la lumière et de l'énergie positive après une période où elle ne brillait que par leur absence. Vous êtes maintenant prêt à bénéficier d'une grande chance. Et oh, n'est-il pas très agréable N'est-il pas très agréable de sentir atténuer ce poids sur votre ancien moi? C'est merveilleux. Voilà, belle âme. Troisième belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera également. Et bien évidemment, on y va pour le message surprise du signe surpris. Elle est où, ma pierre? Devant moi. Je ne vois pas clair. Quelque chose que tu ne vois pas peut-être et qui est devant toi, belle âme. Belle âme. Allez. Allez. Quel est le signe aujourd'hui? Alors, on va te parler également si tu as ce signe en signe solaire. Enfin, solaire. Oui, bah forcément. On est d'accord. Alors, voilà. Signe lunaire également. Tous les signes là-dedans, c'est des solaires, on est d'accord. Voilà. Mais ça peut parler des fois si ça sort. Bref, je comprends. Eh ben, dis donc, signe de l'amour également, tu vois. Ben, en même temps, tu me diras, c'est la fin, d'accord. Cancer, voilà. Si tu as solaire, donc en cancer, si tu as ton signe lunaire en cancer, et si tu as ton signe Vénus, ton signe de l'amour en cancer, ce message est pour toi. Ce message surprise, belle âme. On y va. Pour la belle âme, cancer, s'il vous plaît, médite. Quel est le message juste et bon pour toi, ici et maintenant, belle âme cancer? Voilà. Amitié. On te dit de te répéter, je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison. Je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison, belle âme. Il y a un signe qui a eu ce message-là aussi, un autre signe. Et on y va. Bah, tu vois. Oh, c'est chiant. Non, voilà. Tous les êtres humains ont été créés à partir de la même source.
Cependant, certaines âmes ont un lien unique. L'amitié peut être l'expérience la plus exaltante et la plus belle qui soit sur Terre. Mais elle peut également provoquer la frustration et le chagrin. Comprenez que chaque personne rencontrée a quelque chose à vous apprendre. Peut-être sera-t-elle présente dans votre existence pendant un an ou toute une vie, toute la vie. Ensemble, vous ferez l'apprentissage des choses du cœur, telles que la confiance, l'amour, la loyauté et l'admiration. Les liens amicaux sont souvent plus forts que les liens familiaux. Entre vous deux, s'est formée une passerelle de compréhension qui a su résister à l'épreuve du temps, au-delà de cette seule vie. Un véritable ami éclairera votre chemin au lieu de vous faire de l'ombre. Il ou elle vous conseillera en gardant à l'esprit votre intérêt supérieur. Pouvoir communiquer avec un autre être humain sur le plan de l'âme et dans la dimension physique, le plus grand trésor qui soit. Belle âme, Cancer. Et voilà, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, que ça vous aidera, un peu des énergies du matin, mais pour le message du matin. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à ce soir pour, enfin à ce soir, hein, je mettrai en ligne. J'espère que ce soir, ça ne va pas être la tornade, le déluge. De toute manière, quoi qu'il en soit, soit vous verrez un bout de la tornade, le déluge, hein, ou alors vous aurez le soin, d'accord. Donc l'univers décidera si je suis amenée à le faire ce soir ou pas, parce que ça peut être compliqué avec le déluge qu'il pourrait y avoir. Donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie ici et maintenant tout mon amour. Je vous dis à demain matin ou à ce soir. Bye bye.